Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4 avec évidemment la Bourgogne qui a bien grandi. On est 127 ans après le début du Let's Play, donc c'est relativement intéressant. Dernier épisode, j'ai pu prendre la frise, du coup je vais détruire le fort ici. J'en ai plus trop besoin. Ouais, je fais beaucoup d'argent, mais c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est pas forcément tout à fait nécessaire de détruire tous ces forts. Mais d'un autre côté, l'argent appelle l'argent. Donc plus j'en fais, plus je vais pouvoir en faire. Puisque je vais pouvoir faire des bâtiments. On va améliorer un peu le commerce. Je suis vraiment bien pour ce qui est des bâtiments. Hein. J'en ai plus beaucoup à construire. Alors mes prochaines guerres, je suis pas tout à fait sûr. La France, c'est 10 ans. Ah, mon héritier est pas mal. 7, 9 points. Mon nouvel héritier, puisque j'ai supprimé l'ancien. 9 points, ça va. Honnêtement, c'est au-dessus de la moyenne. Ce sera mieux que celui que j'ai actuellement, d'ailleurs. Donc, j'ai pas trop à me plaindre. Alors, je pense que de toute façon, ma prochaine guerre, ce sera définitivement l'Autriche. Évidemment, ça va être très très chaud. En plus, ils se sont alliés à la Castille, bande de chiens. Bon, on commence à accumuler pas mal de faveurs. Alors, si je regarde ça... Ouh là 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 là. C'est un peu le problème. Hein. Ah oui, mais non, il y a les ligues religieuses, là. Ouais, ça va être compliqué là, il y a les ligues religieuses en ce moment. Les pontificaux, ça donne quoi? Ouais, c'est déjà un peu moins impressionnant. Enfin, j'ai pas de casus belli, hein. Faudra que je les fasse d'ailleurs. Ouais, s'ils avaient pas les dettes, ils me rejoindraient. On va. Il faut de toute façon que je fasse mes revendications. Je pense qu'il va s'agir là de trouver... Ah, pas mal ça. Il va surtout s'agir maintenant de trouver une opportunité en fait. Donc il va falloir être un peu patient. Pour ce qui est du développement là, je peux plus. Hein. J'ai plus aucune province au-dessus de 70. Ah, la France s'est fait excommunier. Pour l'instant, ça va pas pouvoir me servir. Tiens, si j'ai celle-là. Ok, je pourrais dépenser beaucoup plus de points. On est quand même très très loin de de la prochaine science. Ok. Je vais faire toutes les provinces comme ça parce que... Ouh, 130 là. Ah oui, faut pas que j'oublie ça. J'ai pas encore légitimé les territoires français. J'ai plus aucune province en dessous de 70. Ou alors, est-ce qu'on compte sur les doigts d'une main? Non, c'est officiel, j'en ai plus aucune. Ok. Bon, donc là, en fait, il me faudrait vraiment... En fait, si ça me coûte cher comme ça, c'est parce que l'État est déjà créé. Donc je paye directement le prix total en fait, c'est un peu pour ça. Alors là, on va attendre. Ok, c'est parti. Et la frise, par contre la frise, l'état doit pas être créé. On est sur un nouvel état. Ouais. Donc en fait, il faudra que je paye deux fois plus que le prix indiqué ici. Alors le problème c'est que j'ai ma doctrine à développer. Ça c'est dans 18 ans. Bon. J'ai voulu rééquilibrer mes points. Je sais pas si j'ai bien fait en fait. Enfin bon. Ouh, un point de stabilité, ouais, j'achète. Sans hésiter. Là on va prendre 50 points militaires. Les hérétiques, méthodistes. C'est bien, j'ai perdu ma revendication sur l'Angleterre.
Du coup, ça va améliorer un peu nos relations là. Donc là, en fait, j'aimerais bien que le roi polonais meure. Puisque je suis largement en tête de... Non, pas si largement que ça d'ailleurs. Je me fais doubler par l'Autriche. Putain, il faudrait vraiment qu'il meure maintenant. Pour pas qu'on se fasse prendre là. Oui, si je suis en tête de 2 points. Ils sont pas alliés pourtant. Honnêtement, je prends les points plutôt. Ça veut dire qu'il va falloir que je dépense encore plus. Je pense que ma nouvelle limite, ce sera bientôt 75. Parce que là, 70, c'est déjà trop. Enfin, c'est pas assez plutôt. Tiens, si, là. Ouais, c'est tout. Hein. Je peux pas faire mieux. Ok, là... pourquoi on peut pas, là? Je les ai, les 55 points. Ah, je suis en train de les convertir. Ok. Ok. Une dernière revendication sur la France. Je vais améliorer mes relations avec les pontificaux pour l'instant. En même temps qu'on fait des revendications chez eux, mais ça... ça, c'est un détail. Là, je vais les inciter à faire quelques... quelques revendications. Je crois que je vais me payer un niveau 3. Hein. Ouais. J'ai largement de quoi me le payer. Et ça va compenser un peu le fait que je... je fais vraiment pas beaucoup de points, là. La France... sur l'île de France, ça va très vite parce que ils sont de notre culture. Là, je suis un peu inquiet. Je suis toujours devant, mais à un point près. Il faut qu'il meure. Hein. Voilà, ça, c'est cool. C'est une province qui va très vite rapporter. Très, très gros. J'en suis persuadé. Ça, ça va être fini. En même temps que ça, ce sera fini, ça veut aussi dire que ça, ça va disparaître, je pense. Ah, peut-être pas tout à fait, parce qu'ils sont un peu vexés qu'on les ait conquis. Ouais, ça me paraît logique. Ouf, là on a repris un peu d'aise. Et en plus on est revenu à peu près à égalité dans les chances d'avoir un point. Donc je pense que là on est plutôt pas mal. Ok. Ah merde, j'aime pas trop ça. On va tenter l'autorité pontificale. 25 points d'influence pontificale, nous assurant que ça suffise à convaincre. Eh ben, on va rester mariés, tant pis. Ouais, bah, c'est un événement qui nous a pas apporté grand chose, honnêtement. Alors, si on rejoignait la Ligue protestante, on se retrouverait face à la Castille et face à l'Autriche, le Portugal. En fait, la dernière grande puissance qui manque, ce serait la Moscovie. Ouais, il y a le Danemark, là. La Moscovie, la Russie, carrément. Il arrive quand même souvent que la Russie prenne pas du tout part à cette guerre. Mais bon, on verra. L'empereur est réélu. L'Écosse. Il reste un petit bout d'Écosse quand même, tout en haut là. Les Anglais s'en sont jamais occupés. Ça se trouve, ils ont même pas fait de revendication. Ouais. C'est vraiment une île. Hein. Il n'y a pas de passage là, donc ouais, je sais pas pourquoi. Ça les intéresse pas a priori. Alors je vais refaire deux heavy là, ou un heavy et un transporteur. Ouais.
Par contre, ça, je peux le ramener là. Je vais les améliorer. Ouais. Ça coûte pas cher. Je pourrais peut-être aussi améliorer cela. Je sais pas trop ce qu'il en est. Non, ils ont pas besoin d'être améliorés. Ok, c'est bon. Pape n'est pas infaillible. Il a proclamé que la colonie de Plata relevait désormais exclusivement de la souveraineté du Portugal. Honnêtement, on s'en fout. On sera pas trop concerné par ce genre de de problématique. Ouh, là, c'est bon, on a refait de l'avance. Je suis rassuré. On aurait bien besoin d'améliorer nos relations avec eux, là. Elles sont quand même pas top. Continuer. Bon, là, on est au maximum. Là, on est quand même pas terrible, là. Comment ça se fait? C'est sûr qu'on commence à avoir des frontières communes avec la Castille, donc forcément, ça risque de gâcher un peu nos relations. Enfin bon, pour l'instant ça va encore. Ouais, je vais prendre la puissance administrative définitivement. J'en ai besoin. Ok, j'ai perdu mon casus belli avec l'Angleterre. C'est plutôt une bonne chose. Elle soutient l'indépendance d'Aragon. Laissez-moi rire, la France soutient l'indépendance d'Aragon. Ah merde, c'est arrivé plus vite que prévu ça. J'aurais pu activer mon fort, mais j'avais pas vu que c'était à 90 déjà. Merde. Ça c'est bête. Du coup c'est trop tard. Ouais, un scientifique niveau 3. Productivité plus 10%. En fait je vais le prendre parce que ça m'intéresse à la place du prestige dont j'ai pas forcément besoin. Ça c'est bien. C'est elle. Ouais, c'est elle. Ok, donc la frise est tombée, malheureusement. Ce qui veut dire que ça, ils ont été convertis. Ah, putain, ils sont reconvertis. Ah, c'est lourd, ça. Du coup, on est reparti pour combien d'années d'attente? Ah, peut-être pas. Peut-être qu'on va pouvoir enchaîner derrière. On sera très vite fixé. Ok, c'est parti pour le coup de construction. Malheureusement, là, j'ai... Ah merde, ils sont passés à côté. Ils vont où, là? Sérieux. Faut que je les ai avant qu'ils convertissent la province. Ça suffit, là. Ok. Ce que je vais faire, je vais laisser un peu de maintenance pour que les troupes se renforcent. Ouais, là, je suis avec de l'attrition. Ok. Je vais mettre mes navires en réserve, là. Donc du coup, on a le droit de les reconvertir ou pas? Ouais, je pense. Hein. Merde, la Castille a déclaré la guerre à la France. Merde, ils vont se servir. Ils ont plus du tout d'alliés. Ouais, du coup, ça veut dire que je pense que je vais pouvoir vassaliser la France. Faudrait que j'intègre... On va intégrer le Nivernais. Ok, ça c'est fait. On va intégrer le Nivernais vite fait.
69 à 66, hein, c'est chaud, hein, mais il veut pas mourir. Il veut pas mourir, cet idiot. J'avoue que ça m'arrangerait quand même s'il mourait. Voilà, les séparatistes français. C'est en Ile-de-France. Hein. Je vais activer le fort tout de suite parce que je risque d'oublier. Donc je préfère être prudent. On voit que c'est deux fois plus long à légitimer par rapport à l'Île-de-France, par exemple. C'est parce que là, on partage pas la même culture. Du coup, là, c'est carrément long, même. Je sais pas pourquoi l'Autriche soutient autant la France. J'espère qu'ils vont pas s'allier. Non, ça m'étonnerait. Je pense que la France va énormément perdre. J'espère qu'ils vont pas les vassaliser. Oh, non, non, ils peuvent pas. Ils sont comme moi, ils vont pas pouvoir. Mais quand même, c'est un peu pénible de les voir comme ça. Amélioration des relations, ça m'intéresse. Pour faire baisser mon expansion agressive. Ah, en termes de bâtiments, 23 c'est nul, 33 à la rigueur. 46, ouais, c'est pas mal. Surtout qu'il est quand même très tôt dans la partie, hein, donc c'est des bâtiments qui vont servir pendant près de 300 ans. Enfin, on va dire 250 ans. Ok, on va se reparti pour la conversion. Ce sera jamais que la deuxième fois. Mais ceci dit, ça va me rapporter de l'influence papale, donc je suis partant. Ok, donc la France, en fait, c'est déjà quasiment fini. S'ils pouvaient libérer des pays, est-ce qu'il n'y a pas des provinces, là? Genre la Gascogne. Ouais, on va voir. Je suis comment dans les réserves, là? Il faudra que je fasse quelques troupes pour faire baisser ces réserves. Oh, les Russes m'en veulent, là. Désolé. Je sais pas si vous avez entendu, j'ai essayé de couvrir mon micro, mais bon. J'ai un peu du mal, j'avoue, à chaque fois. Bon, j'attends ça, là. On va être fixé très rapidement sur le sort de la France. Là, ils doivent être à 100%, du coup, parce que ils ont pas trop d'alliés. 99. Ils ont des colonies, donc c'est sans doute pour ça. Ouais, c'est fini. Et ils ont pas... ils sont toujours pas vassalisables. Et ils ont pas... comment dire? Ils ont pas libéré de province, rien du tout. C'est dommage. La Castille devient un peu ennuyeuse, là. Elle me prend des territoires qui m'appartiennent. Ouais. Et là, moi, je suis un peu bloqué parce que je peux plus faire de guerre. J'aime pas ça, là. Il faudrait qu'on vienne à bout de ça, là. Et là, les Anglais seraient presque élus empereurs, hein. C'est quand même assez étonnant. Ok, donc ça c'était prévu. Le fort était activé, donc il n'y a pas de souci pour une fois. J'ai fait ce qu'il fallait. On va prendre un leader. Ouais, bon, il est pas top, mais enfin bon, on fera avec. 50 points de puissance administrative. Où ils vont? Pourquoi ils bougent? Ils ont peur de se faire rouler dessus? Peut-être ça, hein. A mon avis, c'est ça, parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt de bouger comme ça. Je pourrais faire un navire de plus. Encore un mois et je peux y aller. Ok, c'est parti. Je vais améliorer mes relations avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont? Ah, il a été excommunié, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage ce qui lui arrive. Bon, ça m'étonnerait qu'il y ait trop de personnes qui l'attaquent, honnêtement. Ils font partie quand même des grands pays. Et qui c'est qui a réussi à l'excommunier, là? Ouais, c'est peut-être les pontificaux. Ça m'étonne, mais...
J'ai pas vu honnêtement, j'avoue que l'Autriche arrête pas de payer les dettes de la France. Mais il y a toujours pas d'alliance. C'est bête, j'aurais bien aimé que la France se trouve quelques alliés là, j'avoue. Ah, bien sûr, on va les aider. Ça coûte un peu cher, mais c'est un bon boost de relations. Et puis, on pourrait avoir un remerciement. Je sais pas quelle forme ça pourrait prendre, mais... Ok, là, on est toujours en tête. Le roi a quand même 62 ans. Je vais intégrer de ce pas le Nivernais. Bon, ça va pas me coûter très cher. Hein. C'est pas un gros morceau. 300 points, quand même. Ça va aller relativement vite. Et faut que je libère une place dans mes vassaux de toute façon. Ne serait-ce peut-être pas vassaliser la France, je sais pas encore, mais peut-être que si, j'en sais rien, on verra. Mais de toute façon, il est bon d'avoir une place de libre quand même. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'il se trouve un allié là, ça me paraîtrait intéressant. Je suis un peu déçu qu'ils en aient pas, très honnêtement. Bon, j'ai l'impression qu'ils vont pas se faire de guerre de religion. C'est bien dommage. Ces provinces ont l'air pas trop développées. Par contre, il y a des réformés, donc c'est bien, ça va me permettre de faire des conversions. Je vais peut-être réussir à voir convertir des provinces là. C'est envisageable. Et ils étaient de quelle religion en fait? Parce que. Ah, les Français sont aussi excommuniés. Et ils étaient catholiques. Hein. Il faut que je convertisse 10 provinces. Ah bah il est mort en fait, le roi. Ouais, il est mort. Ça a pas duré longtemps. Ouais. Ça m'énerve de voir un Habsbourg... à la tête de l'Angleterre. C'est un niveau 2, c'est vraiment pas top, hein, donc je vais prendre les points administratifs malheureusement. Réduction de l'inflation, ça c'est très intéressant. C'est même capital. Bon, ça c'est pas chez moi, mais s'il faut, j'irai l'aider. Non, je crois qu'il va s'en sortir tout seul. Alors, j'ai pas regardé l'Île-de-France. Dans combien de temps ils sont convertissables? Ouais, dans 16 ans quand même. Hein. Ça va être long. L'Autriche ne fait plus la guerre depuis qu'on n'est plus alliés. Ça on s'en fout. Donc là je vais me refaire quelques points, 8 points. Finalement c'était assez rentable de les voir se faire convertir de force. Ça m'a rapporté pas mal. Bon. Ouais, ça va être super rapide. Le Nivernais, ça va être super rapide. Je vais garder mes points là et je dépenserai pour améliorer toutes ces provinces. Je vais avoir besoin de pas mal de points pour les remettre au-dessus de 70. Bon, toujours pas mort lui. Ah, j'ai repris pas mal d'avance honnêtement. 10 points d'avance. Je crois qu'il peut mourir en paix. Ça sera plutôt sympa. Ah, j'ai l'impression que les Portugais ont eu un petit problème de dynastie là, puisque maintenant c'est des Bourgognes et ils n'ont pas d'héritier légitime. On pourrait réclamer le trône. Alors, on n'a pas de mariage, évidemment.
Ils se marieraient presque. Hein. Alors, on va avoir une relation de libre assez prochainement, je dirais. Ça pourrait être intéressant. Du coup, je sais pas contre qui on sera en guerre, ce serait le problème. Alors, en termes d'alliés, ils ont la Castille. J'ai bien envie quand même de tenter le coup. Puisqu'on va avoir une place de libre dans nos relations. On va voir ça. Je pense qu'ils vont assez rapidement accepter, honnêtement. Là, ils acceptent déjà. Je vais attendre un mois de plus. Ok. Je sais pas combien il y a de troupes. De toute façon, on a beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils sont en guerre là? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mouvements de troupes. Ouais. C'est quoi cette guerre là? C'est en Amérique du Nord, ça? Donc je sais pas trop ce qu'ils font tous à descendre vers l'Afrique. Ok. Mariage royal. J'attends peut-être un peu. Le problème, c'est qu'il faut pas que j'attende trop. Ah merde, trop tard. Est-ce que je le fais quand même? Merde. Non, on va attendre. J'améliore mes relations, histoire d'être prêt. J'étais pas du tout prêt, en fait. Bon. Je vais arrêter l'épisode ici. Et je vous... je vous donne bien sûr rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.